félicitations aux trois équipages et bien sûr à l'ensemble des équipages. Jean-Marc Manzagol et son copilote Étienne Patronne peuvent savourer et arroser au champagne leur victoire dans la 52e ronde de la Giralia. Ils bouclent les 151 km du rallye, 12 secondes devant Hugo Migueli, le tenant du titre. Le prince du Cap Corse inscrit pour la troisième fois son nom au palmarès de cette course mythique. Je suis très heureux et très fier. D'ailleurs, en parlant de fierté, j'ai pu voir mon père fier et ému comme jamais à l'arrivée de la dernière. Ça m'a vraiment touché. Je pense qu'il est content de me voir inscrire une fois encore mon nom au palmarès après lui. Maintenant, je voudrais faire vraiment une parenthèse pour parler des petits jeunes, là, parce que ça va vraiment très vite et je pense que ça va gagner beaucoup dans les années à venir. Partie de Lourdes et avec 18 secondes d'avance ce matin, Manzagol cède du terrain à Migueli dès la première spéciale du jour. Le Cap Corsin fait le scratch et reprend 8 secondes. Il croit alors encore en ses chances de folle remontée. Mais sous le regard de son père, le roi du Cap, 17 fois vainqueur de l'épreuve, Jean-Marc Manzagol réagit en remportant la deuxième spéciale. Les nerfs solides, le pilote Bastier attaque, déterminé à tenir sa victoire. Hugo Migueli prend des risques pour recoller, mais rien n'y fait. Les deux pilotes se neutralisent dans les deux derniers chronos. Le temps perdu suite à sa crevaison de la veille lui coûte un deuxième titre consécutif. On a pris tous les risques, mais cette année, ça a été vraiment un temps au-dessus. Je suis déçu de ne pas être sur la plus haute marche, parce que je pense qu'on a fait 6 scratchs sur 9. On a beaucoup amélioré par rapport à l'année passée. Mais bon, c'est comme ça, on a fait une erreur et on ne la fera plus l'année prochaine. Aucun des concurrents n'est parvenu à suivre le rythme imposé par les deux leaders. Léo Rossel termine 3e, sa C3 est relégué à 1 minute 11 du vainqueur. Michael Redelet est lui 4e à plus de 2 minutes des premiers. À l'issue de cette 52e édition, véritable succès populaire sur le bord des routes, la famille royale du Cap marque un peu plus de son empreinte la grande histoire de la Giralia.